Bonjour, je m'appelle Joël. Ma grande passion, c'est les couteaux. Et je vais vous montrer comment je vais faire un couteau brut de forge en acier XC75 à partir de cette petite barre. Et vous allez voir la suite tout en images dans ce petit film. De la pointe est terminée. Maintenant, on va passer à la lame en elle-même. Voilà le cran pour le doigt.
on va recourber maintenant. Voilà le manche, il est fini. Maintenant, on va revenir sur la lame pour la finir et la faire propre. On va passer à l'étape suivante. Après la forge, on va faire les montures. Les montures, c'est les deux biseaux qui sont sur le tranchant. Et alors, il faut faire bien attention à une chose, le garder bien droit. Et la deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il faut laisser 1 mm d'épaisseur au niveau du tranchant pour l'étape suivante qui sera la trempe. Allez, c'est parti. Donc on met les lunettes, le masque et le casque anti-bruit. Voilà, alors la pré-monture, elle est faite, et maintenant que ça c'est fait, eh ben, je vais mettre mon petit poinçon pour qu'on sache bien que c'est moi qui l'ai fait et pas un autre, et ensuite la trempe. Alors voilà, le couteau il est bien avancé, les montures elle est faite, maintenant on va mettre mon poinçon. Alors mon poinçon c'est mes initiales, et là je vais le taper à froid, juste dans ce qu'on appelle le ricasso, c'est ce qui est juste après le tranchant et avant le manche. Alors le ricasso, ça va être, le début il est là, et la fin elle est à peu près là. Ça dépend où on va commencer à mettre les plaquettes en bois. Sur celui-là, ça va être un couteau brut de forge, donc il n'y aura pas de plaquettes. Mais quand on fait des plaquettes en bois et qu'on les met là, le ricasso, il est du début des plaquettes au début du tranchant. Et le poinçon, il va être juste ici, entre. Maintenant qu'on a forgé, fait les montures, poinçonné la lame, on va passer à l'étape la plus importante qui est la plus connue, c'est les traitements thermiques.
Là, on va pas juste tremper le couteau pour durcir, on va déjà faire des normalisations. Les normalisations, c'est des refroidissements rapides qui vont servir à resserrer la structure de l'acier pour affiner le grain. Parce que sinon, on va avoir, avec les chauffes qu'on a fait dans la forge qui était assez haute, on va avoir un grain d'acier énorme et après la solidité et la souplesse du couteau vont être assez nuls, de très mauvaise qualité. Donc on va faire trois refroidissements rapides, trois normalisations à l'air en balançant le couteau une fois qu'il aura atteint la température de trempe. Ensuite, on va faire une trempe sélective qu'on va faire à la forge. Et on va pas mettre de mastic ou d'argile, on va la faire à l'œil à la forge. Il faut faire assez attention aux couleurs qu'on va voir à l'écran, qui ne seront pas exactement les mêmes que les réels. Parce que là, avec la lumière, l'éclairage du soleil, on ne va pas voir exactement la vraie couleur qui dira la vraie température. Donc on verra peut-être que le couteau à l'écran, il est à 800, alors qu'en fait, il est seulement à 700 par exemple, ou des différences de température beaucoup plus énormes. Alors ce que je fais là, c'est pas une trempe, hein. C'est juste une normalisation. La trempe, elle se fera à l'huile, parce que cet acier là qui est de l'XC75, à l'eau, il va pas aimer du tout et il risque de casser. L'huile, c'est plus doux. Mais on aura quand même une dureté qui sera dans les 57 HRC, donc c'est déjà pas mal, hein. Après le revenu qu'on vient de faire, la lame elle est sortie du four, elle a une couleur jaune d'or comme on appelle. Et ben on va repasser sur la ponceuse à bande et on va affiner les montures jusqu'à 2 dixièmes à peu près. Alors maintenant on retourne là-dessus, on remet les protections comme avant et c'est parti. Maintenant, je vais encore changer de grain pour faire un polissage un peu plus fin. Là, ce qu'il faut faire très attention, c'est de ne pas bleuir le tranchant, de ne pas le surchauffer, sinon la trempe, elle est foutue, on aura détrempé la lame et ça ne vaudra plus rien et il faudrait retremper. Le problème, c'est qu'on ne peut pas retremper si on est trop fin ici, ensuite on risque de décarburer le tranchant à la trempe. Donc là, il faut faire très attention. Au doigt aussi. Là. Maintenant, on passe au polissage à la main. On va passer du grain 240 au grain de carrossier 1000. Et ensuite, un petit passage dans l'acide pour satiner la lame et puis ce sera terminé. Polissage au grain 240. Bon, après, là, il y en a pour 3 quarts.